Eh bien salut, c'est Agis Lerpu, bienvenue pour la suite de notre aventure sur Slime ou Mori Mori. On m'a posé la question, ça voulait dire quoi Slime Mori Mori? Eh bien écoutez, je n'en sais rien. C'est le nom en japonais, donc si quelqu'un a une traduction bête ou bien plus approfondie sur ça, je prends en commentaire. Alors on va continuer, mais avant, il va falloir qu'on fasse les combats de tank qu'on avait vu précédemment, mais qu'on n'avait pas fait. C'est tellement de choses à faire en même temps, que c'est tout à fait logique. Et au niveau de la crew, excuse-moi, je t'ai dit non. Hop. Je sais pas pourquoi le bouton B c'est pour parler et c'est pour annuler. C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et on m'a dit que. En fait, ça utilise qu'un des deux. Mais comment on fait un choix? C'est ce qu'on m'a dit, hein. Donc, fire self à ennemi, infiltrate en sabotage. Donc, il choisit l'un des deux. Mais à quel moment on lui dit prends-moi celui-là? Comment ça fonctionne? Dismiss crew, mav out. Ah, c'est ça, attends. Non. Un move out, c'est... Non, c'est pas la compétence. Hein, c'est pas son move. C'est juste, on accepte. Comment on fait, du coup, pour le changer? Use the upper cannon. Donc, lui, c'est ce qu'il fait. Mais il pourrait faire keep baddies out. Apparemment, il le fait pas. C'est ce qu'on m'a dit. Use the lower cannon, voilà. Elle le fait jamais. Mais comment on fait? Comment on fait pour changer ça? Ah! Bring ammo, follow the leader. Gunning Ammo Strike, ok. Gunning Ammo Theft. Et lui, Gunning Ammo Supply. Est-ce que elle me sert? Elle soigne. Elle fait des résurrections, mais est-ce qu'on meurt vraiment? Je sais pas s'ils sont déjà morts ou non. On peut y prendre lui. Mais comment on bouge du coup? Dismiss. Donc c'est pour tirer. Ouais, bah, aucune idée. Parce qu'on m'a dit que c'était. On choisit l'un des deux. Mais. Attends, t'es encore près de toi. Ah bon, mais non, parce que là c'est les hameaux, donc. Je sais pas. Bon, bah, j'attendrai vos retours encore, hein, une nouvelle fois. Est-ce que j'en ai des très puissants? Non. J'ai les armes de ça, je m'en fiche. Ça me sert pas. Non, on est bien là. On est très bien. Oui, je suis Abidizis. C'est bon. On quitte. Voilà. Et puis on a pris du coup cette nouvelle compétence que j'ai montré là au tout début. Pouf! On va pouvoir détruire des cristaux, donc avec ça, ouvrir de nouveaux passages. Ça va être génial. Mais là, tout de suite, ouais. On va aller faire les combats de tank. Allons faire ça. Et il faut qu'on retourne. C'était dans la forêt. Hein. C'était dans la forêt. Allez! On se retrouve quand on a les tanks. Donc, déjà, on avait celui-là. À droite. Ok. Fight-o! Puis on va voir après si on peut avancer. Let's do it! Et on m'a donné aussi l'importance d'aller chez eux, hein, pour tout détruire. Je crois que je vais envoyer des munitions. Je vais les laisser faire. Et après, je vais partir chez eux pour détruire certaines choses. Voir toutes les choses. Tout ce qui traîne. Aïe. Bon. C'est ça d'ailleurs qu'on avait les rushs explosifs. Hein. C'est pour éviter que ça nous fasse sauter comme ça. Avec le Milton et tout. Parce que là, on peut prendre très très cher. Il a 200 points de vie. Ok. Vas-y, on va y aller. Ça va lui Deux gros boulets, j'en ai que deux. Hein. La chance qu'il a. Attends, ça va pas plus vite comme ça? Non, ça va pas plus vite, c'est mieux. Ah la normale. Donc, en gros. Ah, mais je peux toujours pas. C'est à quel moment alors? Peut-être qu'ils vont nous indiquer. Peut-être qu'il faut mettre assez de dégâts et après on peut y aller. J'imagine que ça va être ça. Run into fire enemy. Ouais, bah. Fout le feu, t'inquiète. Tiens, lui. Je crois que lui du coup c'est un fantôme, il passe à travers. Aïe 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 aïe. Oh, on fait, on voit tout ça. Oui voilà, le fantôme passe à travers. Tac. Hop hop. J'ai dit de toute façon, encore en phase d'apprentissage. On voit au fur et à mesure et par rapport à ce que vous me dites. Ça c'est très important, vos retours.
concernant les épisodes. Là. Ok. Quand ça envoyait pas mal de choses là par contre. Hein. Énervé. Oh l'oricalc. Toi tu veux y aller aussi. C'est pas grave si t'es fait pour frapper avec moi. Je vois tout. J'arrive pas à comprendre moi. Bad timing. Non t'inquiète. Ah! C'est chiant! Petit bouclier. T'envoies en bas? Bah tiens. J'ai aussi envoyé en bas. Ça va toucher. Oui, ça touche 22. 90 points de vie. Est-ce que je peux faire quelque chose maintenant chez eux? Oli a été ressuscité, donc voilà pourquoi avoir un autre. Ouais, mais elle fait le soin, soit elle fait une résurrection, soit elle fait le soin. Mais du coup, elle est basée sur le. Je peux toujours pas. Oula, il m'envoie un gros canon. Et puis il a envoyé le bouclier. Je prends de cher. Bon, là, je pense que ça devrait le faire. Je vais quand même envoyer un fantôme, on va prendre très cher par contre. Hein. Très bien. C'est vrai qu'on va mettre à l'intérieur. C'est les ennemis qui se ramènent. Sont pas contents. Donc oui, du coup, le seul moment où on peut rentrer, casse-toi toi. Le seul moment où on peut rentrer dans le vaisseau, par la porte, c'est quand on a tout détruit. Donc finalement, ça sert à rien de détruire leur engin, puisque c'est une fois qu'on est à l'intérieur. Allez, meurs. Attention. Piou. Voilà. Il n'y a que là qu'on peut détruire, donc là j'ai plus de trucs, mais bon. Quelle est l'utilité? Je fonce. Boum. Boum. Est-ce qu'il me suit la picorne? Je dirais pas. Voilà, c'est pour éviter les munitions maintenant, mais bon. Si je suis à l'intérieur, c'est que je peux aller défoncer le cœur. Compte de tous vos commentaires, donc c'est pour ça que je me pose des questions. Hop, et c'est détruit. Ouais, alors ça va tranquille. On a pris cher juste avec la grosse perceuse. Est-ce qu'on l'aura un jour, nous aussi? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on peut faire des crafts aussi. Peut-être qu'on va faire des crafts. Oui, donc le petit cœur. Super! Ça fait un glu en plus, et puis on va aller voir pour les autres tankis. Une massue. Intéressant. Le petit deuxième. Hop! Avec une taupe. On appelle le Schleman Tank. Es-tu prêt pour le combat? Attends, on est à droite? Non, on est à gauche. Okay. Parce que là, on était à droite au début, donc c'est bizarre de rechanger d'intervertir. Bon. Pourquoi pas. Tink. Let's go. Ouais. C'est trop large, je crois. Ok, ça fait des dégâts, mais. Le rebond. Cette fois, ça peut nous mettre cher. Toi, tu vas y aller, hein. Mettre ça là. Pose ça ici pour le moment. Ça reste ici toi aussi. Tac, tac, vas-y, mets-moi ça. Aïe. Moi tout ça à l'intérieur. Et reste là toi, travaille. On s'en fiche du dessus. Là, lui met cher en bas. Et la moindre point de vie, celui-là en a que 150. Ça va aller très vite aussi. Oh, regarde, un petit bouclier. Ah! On voit un ennemi. Poussez-vous, 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 poussez-vous. Tac! Il est chez nous. Il est où? Où est-ce qu'il est? Il est là ou il est pas là?
Si, l'ennemi est au-dessus. Mais je l'ai pas vu. Tiens, que toi. Chrono Trigger. Ah oui, c'est vrai, c'est le nom à lui. Tiens. C'est bon, on a tout détruit. On peut aller direct. Bon, lui, ça a été vite. Hein. Très, très vite. Ouah. Étirement. Wow. Oh. Je prends. Petite feuille qui traînait. On va faire ça au passage. C'est juste à côté, donc profite. Hein. Piou. Wow. Piou. La vitesse du truc, ça part. Et j'en sais, attends, moi j'ai réussi à en détruire dans mon temps. Allez, pas dessus celui-là. On a perdu pas grand chose en bonne vie. On est bien. Yeah. Ah, une petite herbe. Et un roi en métal. Wow. Parfait. Bon, j'irai lire sa lettre. Après qu'on ait fait le dernier, je vérifie quand même qu'il n'y a rien derrière. On est ok. Et c'était ici. Très bien. Ok, bon, on est reparti. Tiens-toi prêt. Car moi, je le suis. Le pur sécateur. Toujours les jeux de mots rigolos qu'on aime bien. Moi, j'apprécie. Toujours le petit clin d'œil au début. Vous perdez du temps. Ok. Et puis lui, il s'en va toujours là-haut. Je prends. Hop, tac, tac. Ok. Ah, d'accord. Ah. Ah, c'est bien fait ça. En fait, le feu ne va pas mettre des dégâts, il va juste s'envoyer chez eux. D'accord. Et ça va brûler, donc s'ils sont devant les canons, ils vont prendre. Et après, s'ils ont des rochers explosifs et tout, bah, ça explose. Cool. But Tammy ran into the fire with me. Hop. On est mieux quand même avec trois persos qui font des. Enfin, qui jettent des munitions. Enfin, l'autre qui s'envoie tout seul, mais. Putain, je le retirerai. Ça serait peut-être bien aussi pour les munitions. J'aurais plus grand chose à faire et peut-être faire la défense. Après, c'est un truc gratuit quand même. Ah, moi. Arrête. Pas lui pareil, il a pas grand chose en point de vie, ça va aller très vite. Les flèches. Et pourquoi deux du coup? Certainement pas. Que ça se fasse toucher deux fois? Ouais, tu vas venir avec moi. Non, on se fait toucher une fois, c'est suffisant. Okay. C'est rien. Fallait prendre. Non. 17 points de vie. Attends. Pas détruire les portes parce qu'il y a une animation. J'essaye, hein. Ah si, on peut. D'accord. Je vais détruire le portail. En effet, je peux aller directement chez eux. Par contre, ça a full vie. Hein. Je pense que le mieux à faire, c'est de prendre des trucs de flamme et tout. Ok. Tout détruire. Donc si on a des alliés qui s'occupent de jeter des munitions, donc voilà, on détruit les machines. Faut le faire. Faut avoir toujours quelqu'un qui jette en haut, un autre qui jette en bas. Et même deux qui jettent dans une même direction. On va mettre les dégâts, attention. Piou. Jolie bouboule. Doing, doing.
Bon, bon c'était des wins faciles. Après, c'est la première zone, c'est normal. Elle sera débloquée beaucoup plus tard. C'est parti de là. Ça reste simple. Ok. Alors, j'attendais la petite lettre. Flèche. Et oriental. Pour apprendre les Iron Arrow. Iron. Ça part. Bah, on a fini. On a fini ici, il n'y a plus de tank. Donc, on se casse. Et on va rejoindre une zone où justement on peut détruire des cristaux. Voilà. Il m'en restera deux. Ouais, mais ça, c'est vraiment la partie. Parce qu'il y a un truc qui est en haut à droite. J'ai rien trouvé pour y aller tout de suite. Peut-être un peu plus tard où j'ai raté quelque chose. Mais bon. De toute façon, les zones, on y retournera. D'ailleurs, il y avait aussi le cochon, la tirelire cochon. Ça, je peux le détruire avec. Ah! Oh! Oh, gros canon! Il y aura apparemment un secret là-haut. Eh ben. Attendez, on va aller voir ça. Et puis on fera 100. 56 gluants quand même, hein, on est. Ah, je peux pas y aller tout de suite. Il doit manquer un gluant. Aucune entrée. Strictement interdit. Le manager. Enfin, le manager, celui qui gère l'endroit. Attends. Ah, je peux aller dans la flotte. Ah, je peux quand même passer. C'est un emblème d'un Dragon Quest, ça. Ça fait un peu des ailes. On y reviendra quand on aura les bonnes personnes, les bons gens. Allez hop. Alors, c'est pas le truc de sable. C'était ici. Ouais, c'était ici. Il y a encore des parties à faire. En plus, le cristal n'est pas loin. Il y en ira essayer aussi le cochon. Coucou. Je peux passer. Non. Là. Porte-toi. Voilà. Et hop. Piou. Parfait. Prends du pognon pour améliorer le tank. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Si on regarde la carte. Ok, je peux aller du côté gauche maintenant et après ça remonte et c'est au niveau du donjon. Oula 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 oula. Ah. Oula. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Énervé. Coucou. Allez, rentre à la maison. Il est beau comme ça en bleu, hein. J'aime bien. Donc, ça va falloir monter. Je vais pas pouvoir. Alors si je fonce peut-être assez. Non. Aïe 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 aïe. What the fuck. Bon, je m'arrête. Arrête-toi. Arrête-toi. Mais je vais m'arrêter au bout d'un moment. Peut-être en me remettant comme ça. Non, parce que là je suis monté. Mais... Ah, ok, ok, c'est bon, c'est vu. Je maintiens le bouton pour jeter un objet. Tac. Plein de vie. Je partais partout. Je comprenais plus rien. On va faire descendre le cordage. Et ça. À la maison. Et après, je pourrais monter aussi de ce côté. Attends. Ça aussi. Voilà. Et ça aussi, tu vas le ramener. Tac. Donc, piou. On laisse tomber. On va glisser comme un fou. On retourne ici. Wow.
Et un combat de tank. Salut. Écoute, on est reparti, hein. Toi, t'es là, t'es présent. On va continuer au niveau de cette zone. Va falloir, je sais, qu'on retourne au niveau de la grande falaise. Le Tyrax. Le Axarus. 320 points de vie. Oh, il m'a l'air un peu énervé celui-là. Ah, j'ai un cœur en plus d'ailleurs, une ligne en plus. On l'a dit, de toute façon, les points. Aïe! Les cœurs, ça va, ça passe. Donc, il a envoyé un missile. Tac, tac, tac. Ça vient que je trouve un truc de feu. Que j'aille le mettre au niveau de leur porte. C'est vraiment cool. Yep. Alors, c'était pas voulu, je peux me mettre là. Fire! Wouh! Bien sûr, je vais plus vite que la grosse enclume. Et. Ok. Et je retombe là. Bon. Allez, leur porte là. Limite. Ça, c'est plus fort. Ça, on le fait sortir, mais bon. En vrai, on est fermé comme ça. On va trouver un bon truc là. Voilà. Ce qu'on cancel au dernier moment. On va être deux missiles. Salut! Qu'est-ce que tu fous là toi? Je viens tout détruire moi. C'est quoi ça? Ils ont construit la porte. Ah c'est bon. Toi je vais les ramener à la maison. Marqué un gros 2 dessus. Non, Lee! Je vais pas y suicider. Hein. T'as fait normal. Tac, tac, allez, tac, tac, tac. Puis en effet, j'ai pas perdu de point de vie, hein. J'ai confiance en mes alliés et ça a fonctionné. On va aller dans ce canon-là maintenant. Pew, fire! Wouh! Salut toi! Oh là là, c'est trop drôle, qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah, je mets rien en dégâts. Hein. Ça sert à quoi? Ça sert juste à stopper un ennemi ou des missions aussi? Moi je reviens chez eux. Hein. Putain. Tiens. 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 Papa. Tout détruire. Ouf. Ça je reprends. Et donc là ils font comment s'ils ont plus rien? Ils peuvent reconstruire. Et ici. Plus sont nuls au combat, donc on est bien plus fort. Mais ils ont plus rien là, j'ai tout dégagé. J'ai encore, mais. Ah non, j'ai dégagé encore tous mes points de vie, mais non, ça va, je viens de les perdre. Bah ils s'envoient eux. Mais ouais, je crois qu'ils ont plus de mission. Hein. La strat à chaque fois, ça serait d'aller chez eux et de faire ça. S'ils en ont encore, il doit rester peut-être des machines. Tac, 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 tac. Coup de hache. Aucune munition? Bah. Mip! 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 61 points de vie. Envoie ça avant, ça. Envoie aussi, voilà. Cela. Tac, tac, tac. Tout ce qu'il va prendre dans la tronche là. Combien de points de vie les trucs? 55! Vache! Ouais, non, ça va être bon là. Viens avec moi, toi! On va aller faire un nettoyage. Non, 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 tu laisses ça. Ah non, ils avaient plus de machine, mais il y avait encore quelques munitions qui traînaient.
La dernière fois on avait fait en bas et c'était pas bon, donc là on va dire que ça va être en bas. Ouais, en effet. Donc. Et donc. Ok, ouais, on l'a démonté comme ça, hein, avec cette stratégie. Alors, on fait encore quelques petits trucs. Un piment? C'est un piment, c'est une... Ouais, c'est un piment, hein. Yes. Trop fort. Pas nous test. Alors, on va aller voir du côté droit. Je vais prendre ça. Ça peut toujours servir, hein, surtout sur cette zone. Et puis, ouf. Je le refasse, du coup. Ok. Non. Vas-y. Voilà. Parfait. Et là, on monte là. Ok. Donc là, on est au niveau du donjon. C'est ça qu'on avait la tirelire aussi à faire. Et du coup, on a vu, ça avait fonctionné. Ça, j'ai pas besoin. Ah! Plus des cris défauts. Pour lui. Le coffre bat les steaks. Casse-toi. Tac. Barre-toi. Ah, pas lui. Attends. C'est bon. Un boomerang. Je peux faire quelque chose contre la statue du coup. Statue d'Empyrea. Donc là quand il se fait jeter des cailloux et que Médéa a protégé le roi Trod, c'est beau. Hein. Très très beau. Ok. Oh là là, oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'y arrive pas. Aïe 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 aïe. Comment ça fonctionne? Comment je vais de l'autre côté? Ouais, l'escalier il aime pas, j'ai compris. Sors-moi d'ici. Vas-y, voilà, monte par là. Oh la galère. La grande galère. Aïe 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 aïe. Continue là-haut, parfait. Après, tout défoncer sur mon passage. Faut que je monte ici. Puis que j'aille là. Puis que je monte après. Oh non! Oh non, quel dommage, ça s'est arrêté. Bon, je crois qu'il y avait un combat de tank aussi à faire à gauche. Oh, je le refais, je le refais, je le refais. Ça fait chier. Est-ce que je peux pas les retirer ceux-là? Quand je tape dessus, si je tape dessus, c'est mort. Et faut que je fasse jusque tout là-haut. Énervé, hein. Ok, ok. Calme. Je peux faire aussi des ralentissements pour passer. Ça fonctionne. Et surtout pour tourner tout direct. Ouais, là-haut. Allez, on y est presque. Aïe, 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 aïe. Et boum, ok. C'est bon, on a eu. C'était pas de la rigolade, hein. Hop là. Mais une fois qu'on a compris le dérapage, quand on veut annuler justement quand on roule, si on dérape tout de suite on peut tourner, c'est cool. Bon bah on remet ça et puis on rentre à la maison et je pense que ce sera tout pour cet épisode. Je sais qu'il y a encore des choses à faire mais bon après ça va être beaucoup trop long. Je préfère m'arrêter, il y aura un combat de tank et après peut-être d'autres domaines à visiter ici. Hop, pour valider la prochaine fois. Et après on retournera au niveau de la montagne pour faire la suite aussi. Et bien sûr, les lettres avant. Alors, chili pepper. Ok. FM 4 pom pom. Aïe aïe aïe. On va voir combien de dégâts ça met. Et claptrap. C'est pas envoyé chez eux ça, non? C'est peut-être à placer devant et il marche dessus. Peut-être. Trop drôle. Voilà. Et il me reste un gluant. Ouais, bah, le gluant, ce sera le tank. D'accord.
On a fini sur la deuxième zone, on a tous les slimes. Ça avance bien. Mirror Shield. Ouh. Mirror Shield. Aïssou. Bon, alors on va finir sur du craft, voir ce qu'on peut améliorer. Et c'est tout bon. C'est tout bon. J'ai 1956 en pognon. Bah, les tirelires m'ont mis bien. Elles m'ont mis très très bien, ouais. Par ici avant. Toi. Yes. Amélioration. 1 et 2, je les ai ça, non? Je les ai pas. Ah, tout ce qu'en rouge, de toute façon, je les ai pas. Faut falloir que je récupère ces objets-là, que je les trouve. Pareil, x3, x4, oh là 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 là. Ça, pour le moment, ça attendra. Toi. Ah bon? Ah non? Alors... Non... Mirror Shield. Quoi ça? Ah, je peux retirer, ok, directement d'ici. Ok. Ah, je veux la description. Qui reflète les ennemis, le feu ennemi. Je le prends. Ah, l'épée bâtarde 60. Ah ouais. Ça, est-ce que c'est vraiment utile? Ouais, ça peut les gêner, quoi. Hein. Allez, j'ai les parpaings. Ouais, ça fait plus de dégâts. Et on a aussi deux missiles comme ça. La grosse épée. Et Chili Pepper, damage, on en voit pas. Et ça met par contre la bouche du Schleman en feu. On va prendre. Qu'est-ce que je peux retirer? 18, 15. 13 lui j'ai bien, mais il passe à travers, donc c'est trop cool. Je vais garder aussi la flèche. Je vais poser ça. Après, comment on retourne de l'autre côté? Oups. Ah. Donc le chili pepper. Et j'ai retiré quoi? Il y avait la flèche. Ok, j'ai toujours. Tac, 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 tac. Guerrier dégagé, ouais, mais ça va, on peut le dégager, ça sert plus à rien. J'ai dégagé mon fantôme. Non, je vais garder mon fantôme. Voilà. Oui. Happy Dizis. Ok. C'est tout bon. Hey, crew. Et enfin, ici. Est-ce que je peux faire... Non, j'ai pas de iron. Ça, par contre, j'en ai. Je peux en faire un, si j'ai envie. Un seul, ça suffira. Je peux faire des épées. Steel Broadsword. Ah, il m'en refaudra. 4, je peux faire la Miracle Sword. Pour moi, pareil, il faut des Iron Shield. Il manque des 1000. Bon, c'est facile à récupérer, ça, en vrai. Je pourrais les faire. Statue de la déesse. Vas-y. Ouais. Je sais pas quoi ça sert, mais bon. Ping, c'est prêt. Magnifique statue de la déesse. Heureusement qu'il y a les ailes. Hein. Ça, je peux pas. Cruise. Je peux, mais j'ai envie de garder mes pom-poms. Plus tard avec des shurikens. Ok. Bon, c'est tout. Puis on va aller voir ce que ça fait la statue de la déesse. Rapidos. Hop. Vas-y, Amo. Non. Non, non, non. Ah, non. Là. Avec des pouvoirs... ok. C'est pour l'alchimie, apparemment. Bon, après, ça fait 7 de dégâts, mais apparemment, c'est pour l'alchimie. Je vais en enfer. Bon, voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et puis, on se donne rendez-vous, bien entendu, très vite pour la suite de nos aventures. Du Agislurp, voilà, qui s'occupe, puis à la prochaine, tchou, c'était Agi, wouhou.